Alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger-là. Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide au mystérieux étranger, mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'elle approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi ? C'est ce qui est arrivé à Métis ? Je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. La marque d'Ithac. Oh, Ulysse. Oh. Petite, hein? Manier le pouvoir réclame plus qu'un à trois jeunes jambes. Voyons si tu sais le contrôler. Qui es-tu ? Montre-toi !
des cibles paraissait assez facile à atteindre. Mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non mais oublie. Aujourd'hui les gens savent plus se concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du dieu qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Ferme, et tu survivras peut-être, ma petite. Doté de l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès, Phénix
était prête à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. Quoi ? C'est tout ce qu'elle a pour elle ? Ah bah, bon courage.